Kevin c'est la merde ta musique. Cordialement, l'équipe de l'Oxe au bordel le prix augmenté de... Oui, les produits textes speech ont augmenté. Bonjour Vodé. On est sur Yet Another Survivors, Zombie Survivors. Bon là, la musique est acceptable, donc je vais la laisser. Mais dès que j'ai lancé le jeu, on avait une musique 3D qui mutait d'un côté et pas de l'autre, c'était terrible. Du coup, possible que je la désactive. Elle l'a trop bien dit, oui j'avoue. Découverte, on va lancer une petite heure, pas plus, parce qu'après React. J'avoue qu'elle me dérange quand même la musique là. Bon, il est pas en français. Strong and charismatic soldier, ça c'est moi ça. Big Pissed, c'est moi aussi ça. Classmate, we're making potato. Powerhead, batterie. Moi ça aussi. Medic. Je peux pas l'avoir. Bon, je vais lancer vite le jeu pour voir si la musique est mieux. Je vais prendre SWAT. Je vais prendre défaut et on lance. Ok, j'espère que ce sera mieux. Oh, c'est déjà vénère. Ok, je peux y jouer à la manette parce que c'est c'était mis de base, il y avait de l'auto aim donc c'est bien. On s'emmerde pas. C'est un survivor donc j'avoue bon. Je préfère ne pas viser dans les survivors. J'avoue flemme un peu. C'est ça qui est intéressant, c'est les choix. Grenade trail. Oh, forget about your worries as you. J'arrête de dire ça. Bref. Grenade. J'ai mis mon pistolet. Helicopter strike, use the radio transmitter to call. D'accord. Ok, je prends l'hélicoptère juste pour voir ce que ça fait. Donc on est sur un Survivors. Yet another zombie Survivors. Et du coup, est-ce que je peux me mettre dedans? Ouais, moi je risque rien. On récupère de l'XP de la moula, comme d'hab dans ces jeux-là. Et on tue un tas de mobs, comme d'hab dans ces jeux-là. Le principe, c'est surtout de savoir se construire un build. Et j'imagine qu'il y aura quelques boss et quelques vagues qui viendront en fonction du temps imparti. J'imagine qu'il faut tenir une demi-heure. Bref, j'imagine des trucs. Oh, nice, Valo, ça. Trop bien. Tu nous montreras. Un survivor avec des zombies. Partie Pissed. Partie Pissed. This is my last resort. Suffocation. Non, 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 non. Je vais améliorer mon pistolet. Oh, attendez, j'ai pas regardé. Mais j'ai pas vu. Y a pas de features avec Twitch. Y a pas d'interaction avec le chat. Il faut beaucoup de coups pour tuer un seul zombie peu rave. Oh, faut vraiment que... Allez, venez. Mais punaise, il apparaît au pire endroit, l'hélico. Qu'est-ce qu'il est con, celui-ci en... Complètement con, le gonze. Je vais rééméliorer mon pistolet. J'aimerais bien améliorer sa rapidité plus. Ah bah justement, là il est plus rapide, ça se voit tout de suite. Bon, du coup, la musique est très basse, parce que je l'avais beaucoup baissée vu qu'elle était horrible dans le menu. Là, je vais peut-être l'augmenter un peu. Blood and Gore. Damage Number, ça je vais peut-être virer aussi. Hein. Tant que le mob n'est pas mort, je m'en fous. Et quand le mob est mort, bah je m'en fous aussi puisque le mob est mort. Bon, ça va, y a pas trop d'informations à l'écran. Soyez beau, soyez slip. Party Pissed, tube de l'hiver 2024. This is my party Pissed, this is my last resort. Et pendant ce temps, phrase d'Infernal Angelus, mon chat est assèche. Est HS, assèche. Mon chat est HS. Il s'est pris deux vaccins dans le cul ce matin. Alors j'ai pas réussi à le dire, parce que je suis HS aussi, mais pas de vaccin dans le cul. Mais ça me fait rire de lire juste cette phrase parmi
les gens qui se disent bonjour et tout. Niveau sonore, le jeu c'est une cata, je trouve. J'avoue que c'est pas dingue. Je suis assez d'accord. On va prendre la Grenade Trail. HS. Assèche. Eh ouais, je veux dire asséché. Assèche. HS. Assèche. Ah voilà. Là, c'est bien là. Venez, venez, venez. Ah, plutôt ce billet, ça. Ah, je peux reroll. Mais j'ai que les mêmes trucs en permanence. Je continue à améliorer mon pistolet au niveau maximum parce que là je vois qu'il y a des niveaux maximum. Oh, je peux avoir un meilleur flingue. With your trusty submachine gun, ok. Mais du coup, comment je switch d'une arme à une autre? C'est des succès hein. Kill le zombie by leveling. Ah oui, du coup quand on level up, eh ben il y a une aura de dégâts. Je garde ça. Ah, j'ai pris un dégât. S'ils sont du jeu un peu trop fort, vous me dites. Je crois qu'il est un peu trop fort d'ailleurs. Du coup, je regardais pas. Oh là, il y en a qui commencent à être rapides. Au niveau du gameplay, c'est super fluide en tout cas. Et du coup, il tire le MSG, là, machin. Je vois qu'il y a un cooldown en permanence, mais je le vois pas tirer, en fait. Ah si, c'est le flingue que j'ai, mais mon autre flingue, du coup, il a level up en ce flingue-là, c'est ça? Ah ouais, ça doit être ça. Ok, ok. Oh, de la vie. J'en ai besoin, IRL. J'ai besoin d'une vie. Je confirme, il y en a qui ont des drôles de veto. Mais oui, attends, comment ça dans le cul? Ah, le bas du dos. Ok. Oui, c'est vrai que les bruitages font jeu mobile au niveau des doing doing doing. Oh, j'ai un petit speed. J'ai l'impression. Je vais... La grenade, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, de temps en temps, elle fait des trucs. Je peux rien gérer, hein. Non. Quand j'appuie sur les boutons, ça fait rien. Oh, ta thune ! Est-ce que je peux ne pas bouger ? C'est risqué. Ouais. J'ai pas un truc de dégâts en permanence, justement. Faut gérer vraiment tous les cooldowns. Tous les cooldowns. Les temps de recharge. Pas mal, l'hélico, en tout cas. Ah, il y a la horde qui évolue. Danger level 2. Améliorer mon hélico et après ma gru. Ah, j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas fait gaffe que j'avais si peu de vie. Coucou. Oh, je suis morte. C'est qui? Salut, Moglobin Dark. Ok, on va refaire. Try again. Je vais rester avec lui, moi. J'ai pas envie de tester les autres nuls, là.
la vie. Si elle dépop pas, je la laisse. Le pistolet. Donc peut-être que le but, ça va être d'upgrade plusieurs fois nos armes. Au niveau max, je veux dire. Au moins, ça pixelise moins, ce Survivors-là. Après, on a moins le côté foufou d'autres Survivors, où on a des armes un peu plus... je sais pas, un peu plus folle, voyez. Je dirais que pour le moment, ça manque un peu de folie, quoi. Mais nous sommes qu'à... Il y a 10 minutes de découverte. C'est peut-être un jugement un peu hâtif, quoi. Prends l'hélicoptère. Je vois des flèches comme ça, je comprends pas. Wouah, ça c'est bien ça. Ouais, SMG. Voilà, ça c'est bien ça. Oh, les bruits sont trop pipou. Bien l'hélico quand même. Je vais améliorer encore un peu moi. Là c'est amélioré son cooldown, il est plus petit. Ah mais du coup, ils ont pas le temps d'être placés. Je vais améliorer mon arme principale. On verra un peu pour la grenade plus tard. Salut Gaëlu! Attends, j'ai pensé à un concept, vous me diriez? Je suis pas que la moitié d'un. Ouvrir un bar, salon de coiffure et l'appeler l'apéritif. Oui, non. On a déjà eu quelques conversations avec les noms de coiffeurs. Pareil, hein. Un salon de lecture et de coiffure, et tu l'appellerais l'adjectif. Ou un salon où il y aurait plein de pubs. Adjectif, ça passe aussi. Bisous Jasnimir, mon dodo. Désolé si je t'ai pas dit bonjour. Désolé. Moi je comprends, je suis éclatée aussi. Mais je suis là parce que j'ai pas de vie quoi. Et quel réacte tout à l'heure. Ça c'est cool. C'est surcoté la vie. Ok, hélicoptère et après grugre. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, c'est ça. Oh! Movement speed, magnet range, ability cooldown. Je vais prendre... Ah, tout me plaît beaucoup. La magnet range. Parce que bah les nuées ne s'arrêtent pas vraiment. Et du coup c'est assez chaud de récupérer, je trouve.
Voilà, c'est pas mal. Oh là, la récup, elle était bien. Par contre, j'ai pris trop cher. On va prendre de la vie tout de suite. Ok, damage. Bien ça. Faire plus de damage, c'est plutôt pas mal ça. En plus, il y a un petit cœur ici, c'est cool. Grenade. Je l'avais pas du tout encore augmenté. Et vite l'hélico, fais des trucs. M'a pas beaucoup aidé l'hélico là, il a mis vraiment du temps à arriver. Oh, j'avais pas vu cet énorme truc. C'est la première fois que je le vois. Ah, j'ai du shield là. Oh, je level up plus jamais, c'est si lent. Je sais pas si l'hélico il one-shot les boss. Ah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a pris cher mais qu'il est pas mort. Mais j'ai pas vu s'il était vraiment dans le truc de l'hélico ou pas. Grenade! Fais des dégâts. Après, peut-être qu'il faut que je visite la map aussi, mais bon. Ça me semble être quelque peu risqué. Puis elle a pas l'air très grande. Allez l'hélico, fais des trucs. Je t'en supplie, merci. Je sais pas ce que ça fait le symbole d'étoile. Je sais pas ce que c'est comme bonus. Est-ce que je deviens super fort à Smash Bros? Super forte à Smash Bros? Je sais pas. Salut Zino! Hello, hello! Bon, il me faut de l'XP là. Là, c'est un peu pathétique là. Je level up plus jamais. Regardez comme c'est lent! Oui! Allez, vas-y, fais des trucs, fais des trucs, l'hélico, fais des trucs, fais des trucs, fais des trucs! Ouais. Hii, ça va, j'ai des shields. Ça va, ça va. Et du coup, je vais déjà être level max de tout. Ah, c'est peut-être des parties plus rapides après dans Survivors là. Peut-être ça la diff. Donc thune, vie, thune. La vie ou la thune? Évidemment la thune. C'est quoi ça? Ah, c'est quelqu'un. C'est un humain. Liberate. Est-ce que personne t'a accepté? Aussi, je vais... Non. Alors, je peux avoir un tank, je peux avoir un engineer. On va prendre le tank. J'ai un pote. Oh,
en fait, peu importe le perso que tu prends, tu commences avec, mais tu peux continuer avec d'autres. Enfin, tu peux avoir les autres, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ouais, des petites bébêtes, ça c'est chiant parce que j'ai pas grand-chose pour spammer. Et du coup, maintenant, ma vie, c'est ça reste une seule balle, une seule barre de vie. Mais plus grande, quoi. Si je ne m'abuse. Pas vraiment, en fait. Je sais pas. Je ne m'abuse un peu, peut-être. Faut que je visite un peu plus la map. Je trouve des trésors, mais je m'en rends même pas compte. Ah mais oui, mais les flèches, c'est ça. Ça m'indique des trucs à choper. Putain, j'y viens juste de remarquer. Oh, ça a l'air bien, ça. J'aime bien ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien être en juste. Ouais, voilà. Ça, je disais ça manquait un peu de folie, ça c'est un peu la folie, ça. Il y a une roue qui tourne autour de moi et qui scie tout. C'est quoi ça? Je prends l'ingénieur. Ouais! Me and the boys. Ça va le chat? Où range-t-il tous ces chargeurs? Mais c'est vrai ça! Le verre a l'air d'être un perso à libérer. Bah ouais, je peux le libérer ou pas? Elle a trouvé la Bible. Oui, les Bibles orbitales! Open Critical Chance. Oh, c'est bien ça! Take your damage. Open Fire Rate. Oh, le Fire Rate, c'est bien. Du PQ, je vois pas le rapport, mais ok. J'ai pas envie de savoir le rapport. J'aime le Fire Rate, moi. J'aime bien ça. Il a trop explosé, c'était que de la gueule en fait. Il était trop pourri le truc. Il est énorme mais en fait c'est que du plastoc. Que de la gonflette. Il défonçait pas parce qu'il est trop nul. Shotgun. Électrique machin. Ah ouais, j'aime bien les trucs électrocution. Électrique tourette. Quoi? J'ai un succès. Cause. Mince, c'est pas... j'ai pas eu le temps de le lire. Oh, ça va, je pensais que j'avais pris très cher en fait sûrement. Ça fait quoi l'étoile? J'espère que ça m'aide, ça m'aide un petit peu quand même. J'ai pas assez de... j'ai pas assez de dégâts. Vite, vite, prenez le coffre! FT chance. Ah, oh, c'est bien. Mais 3%. Le point damage. Enfin, des dommages, hein. Et du coup, là-bas, il y a un truc vert. Le truc vert, c'est un gars à libérer. Ah, je peux améliorer, ok. Je vais améliorer... le shotgun. Agitation orbitale. C'est gentil, KO. J'en sais rien, je connais pas le jeu. Non, mais je pense que c'est juste que... enfin, voilà. Oh, je vais tellement mourir en vrai. Je pense qu'en vrai, faut tenir une demi-heure et je suis à mes premières 10 minutes ever. Et voilà. Et ça va être le décès. J'essaye de trouver de la vie, hein. Je cherche activement de la vie. Coucou, c'est qui? Non! C'est juste un survivor, Zemoglobinda. Tout va bien. Si vous êtes en mode, ah, c'est un jeu où on peut tuer des gens, vous savez que c'est à peu près le fait de tuer des gens dans un jeu, c'est genre un principe qui existe dans tous les jeux quasiment ever, quoi. Mais là c'est des zombies. Ok, et il y a du training. Back to menu, on va voir un petit peu ce qui se passe.
Mais j'ai pas vu de passif. Upgrade. Ça va, Féline ? Pourquoi ces jeux, ils sont jamais en France ? Collect more money. Your weapon deal more damage. Collect more experience. Your survival run faster. On va faire damage. J'ai combien de points ? Professionnel ! Martien ! Ok, j'ai développé. Ah, il y a plusieurs game modes. Ouais, mais je suis par défaut, moi. C'est hyper! Ok. Mais t'as pas joué à beaucoup de jeux où on affrontait des zombies, petit hémoglobine dark du coup. Parce que le fait d'avoir plein d'armes un peu what the fuck, c'est le principe des Dead Island. C'est le principe un peu des Left 4 Dead aussi. Disons que j'ai à peu près vu ça dans pas mal de jeux, quoi. J'avoue. Et c'est le principe des survivors aussi. J'ai déjà upgrade. Je vais prendre l'hélicoptère streak avant de continuer l'upgrade de ce flingue. Voilà, je vais essayer de les amener un peu. Ok. On va continuer avec ça. On va alterner hélicoptère SMG, hélicoptère SMG, hélicoptère SMG. C'est quoi l'étoile? Ouais, donc je peux prendre des damage déjà. Voilà, je me suis collé volontairement. Je tire plus vite, c'est ça? Oui, ça a l'air d'être ça. Et quand là j'ai plus l'étoile. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, ok. Ah ça c'est bien. Là c'est parfait là. Ah ouais. Oh putain j'ai pris des damage. Oh non. Oh par contre je l'ai trop bien placé. C'est vrai que je devrais jouer avec les coups de l'arme. Là j'aurais dû me mettre vraiment dans le tas pour que ça fasse ça. J'avais pas fait gaffe. Je les oublie les coffres. Ok, il faut que je libère des gens. Ok, je vais prendre la régénération.
Le modifieur. You know the way. Je veux tester ça. Oh punaise, l'hélico qui arrive au pire moment et tue personne. Oh trop pourri. Oh l'hélico qui pue. Il est en l'air, il peut pas faire un effort pour aller pour tirer là où les mobs sont. Là il m'a littéralement visé moi en fait, mon pote, dans l'hélico. Il a juste voulu me tuer moi. Je reprends le tank hein. J'ai pas testé la mine tout à l'heure. J'ai pris autre chose. Ah, je vais essayer de... Voilà, d'aller un peu comme ça. Bon. Ah, du coup, il y a des mines qui sont posées comme ça. Ok. Bon, ça peut être pratique, ça peut être pratique. Si je les remarque, parce qu'elles sont pas très... Elles sont assez discrètes, je peux essayer de faire en sorte que les boss aillent dessus. Ça pourrait être pas mal. J'espère que vraiment elles me font pas de damage. Oh ouais, c'est ça le truc qui fait Le truc qui fait la musique de Guy et les cafards. J'aime bien mes petits bibles orbitales là. Cause I'm an albatross. Faut j'améliorer ça. La grenade aussi, je l'ai pas prise encore. Bon, en tout cas, avec la régène passive, ça va un petit peu mieux au niveau de ma vie. Et du coup, j'ai même pas vu, il faut tenir un certain temps ou c'est en illimité? Bah non, il y a un mode illimité donc ça va être autre chose. J'améliorerai shotgun un peu. Ah là, il y a une mine. Ok. Ah là, il y en a une. Je vais faire courir dessus. Ah, mais bon, ce sera jamais le boss qui sera dessus. Bah oui, ce sera toujours les petits mobs d'avant. Quelle heure? Ça va, j'ai encore un peu de temps. Bon! N'oublie pas les flèches. Mais oui, je les oublie, t'as raison! Tu fais bien de me le dire, je les oublie complètement, j'y vais. Oh, oui, j'en ai 1000 en plus, non mais d'accord. Je vais d'abord chercher des coffres. Oh, j'aime bien avoir tous ces trucs autour de moi qui me protègent. Sugar Rush, Sugar. Défi de boss, grand tu 3 secondes de boost. 3 secondes. Bah, sur une gamme d'une demi-heure, c'est pas grand chose quoi. C'est pas grand chose en fait. Bon bah je prends positive attitude, au moins quand je prends un damage, il y a toutes mes trucs. Mes armes qui sont rechargées instantanément, ça peut être pratique. Mais bon. Tout à l'heure j'avais des possibilités vachement plus sympas. Faut que je suive les flèches, mais j'ai vraiment pas de quoi passer, c'est assez relou. Faut un truc qui me ferait le chemin. Vous savez, comme dans Vampire Survivors, quand il y a des couteaux qui se tirent tout droit tout le temps. Enfin toujours dans la direction où tu te diriges. Ça c'est bien. Je vais augmenter mon truc parce qu'il sera full comme ça. L'hélico qui sert à rien! C'est trop nul!
juste, je devais aller à la flèche jaune. Je l'ai pas vu. C'était où? Oh, il est bien lui. Oh, il est bien celui-ci. Bon, je prends des dégâts par contre. Mais il est super. Ouais, c'est bien ça. Elle est où cette putain de flèche jaune? C'est là-bas? Mais c'est pas ça. Elle a disparu. Ça me sert à rien. Mais oui, regardez ma flèche. Et là, elle a disparu. Oh putain, c'est pour ça que je me faisais avoir. Le shotgun comme ça, il est full. En ce temps, je prends la thune. XP. J'ai regardé le chat, pardon. Call of Duty. Ouais! C'est bien ou c'est pas bien d'avoir ce succès-là? Selon les points de vue, ça dépend. Il y a toujours des hypes sur Call of Duty, je m'en rends pas compte. Hein. J'ai l'impression que vachement moins quand même. J'ai l'impression que c'est quand même des jeux où les gens se moquent. Enfin, pas fument, quoi, mais se moquent de le verbe. Ça à fond. Oh ouais, les petits trous crantés, là. Les trous dentés. Cherche un petit cœur là-bas. Il est parti sans prendre le coffre. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié, je crois. Fire rate, c'est bien ça. Weapon rate, movement speed. Ah bah je prends les deux, tiens. Ouais, en fait c'est depuis l'avènement des Battle Royale, ouais. Vu que maintenant si tu veux un FPS ou un TPS, et ben t'as vraiment l'embarras du choix et t'auras en plus des jeux... Des gens free-to-play à dispo, des trucs qui proposeront peut-être un gameplay moins bourrin, j'en sais rien. C'est vrai que maintenant il y a trop d'alternatives, je pense, quand on aime les FPS. Là où à une époque c'était Call of Duty Battlefield, quoi. C'était les jeux de guerre et Counter-Strike. Mais voilà, moi ne connaissant pas trop. Les fans ont grandi. Ouais, mais même quand tu grandis, t'aimes toujours les FPS, non? Enfin. Peut-être que tu te fais moins arnaquer. Je vais foncer dans les cœurs. Je veux récupérer les XP un peu. Ok. Oh, moins 10%, c'est bien ça. Prendre ça. Les scies, elles sont bien, hein. J'ai l'impression qu'elles me protègent souvent. Ok, le shotgun, on va finir de l'XP. Et après, on va aller chercher les flèches un peu. Voilà, là, je vais plus vite, ça tombe bien.
Pas beaucoup d'XP. Ok. Je vais aller chercher le poteau vert. Ingénieur. Ok. Bah des damage, c'est bizarre de dire ça comme ça. Ça me semble utile. C'est toujours un bon choix, ça. Faire plus mal. Ah, je dois m'écarter, voilà. Il y a les petits cœurs rouges là-bas, j'aime bien les pécho, mais là-bas il y a un coffre, alors j'aime bien le pécho aussi. Woman speed, weapon critique à l'ability damage. Plus 10% de chance de crit, c'est bien. C'est pas mal, on n'est pas sur du 0,1% quoi. Ça change un peu. Tu peux avoir des potes dans le jeu, tu veux dire? Oui, je peux avoir des mates. Je vais les sauver et après je peux les avoir dans ma team ou les libérer. Bientôt 23h. Ah oui. Ouais, bah on va cesser un peu de temps. Bon, souvent on est vers 23h30, mais du coup si je décède, et ben je continue pas, évidemment. Mais je vais continuer tant que je peux. On est bien parti, en tout cas c'est cute. Ah, il est 57 déjà. J'ai trop de vie, je meurs plus jamais. Je veux développer par contre. Professionnel. Martien, on va taser. Ah, du coup là-bas il y a un gars en vert. Maintenant je vais être obligé de le libérer. Ah bah non, il va m'aider à level up, je crois. Timothée Chalamet. Tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux en fait. Il est où? Il est là. Et du coup, lui, il m'aide à augmenter des trucs. On va taser un max. Ok. Est-ce que je peux ne pas bouger sans mourir? Oui, ça a l'air d'aller. Par contre, je pexe pas quoi. Ah si, je prends des dégâts quand même. Tesla. On va faire les grenades d'abord. On a commencé à les augmenter, je vais continuer pour se débarrasser de ça. Et après on va augmenter plus l'ingénieur. De toute façon il restera plus que lui à augmenter, je crois. Ah, les mines peut-être. La foire des manèges pour me balader. Là, la foire. C'est rare des foires en cette saison. Souvent c'est plutôt en été, la période des foires. Moi c'est cool, moi j'aime bien les fêtes foraines et les trucs comme ça. Même si c'est de l'arnaque et que c'est et que c'est très cher. J'aime bien quand même. Ouais, les coffres, ouais. Magnet range, ah, ça je ferais bien ça. Ouais. Parce que c'est chiant. Et je vais chercher les coffres. L'autre coffre. Et le poteau.
unlock the entrance. Ah, cool. J'ai débloqué un nouveau perso. On va aller plus vite plutôt. Même si chance de dodge, ça peut être cool. Mais je suis pas trop souvent touchée pour le moment. J'ai de la régène passive et j'ai des cœurs sur la map. Donc c'est moins ma prio. Et je dis ça alors que je viens de prendre ultra cher. Killing Frenzy. C'est quoi Killing Frenzy? C'est la frénésie, c'est en gros que... Oui c'est ça, c'est que les persos sont en mode berserker et ont les cooldowns qui sont tout réduits ou figés ou je ne sais quoi. Remarring. Faut que je fasse gaffe à pas regarder trop le chat quand je suis pas en mode pause parce que finalement on prend très vite beaucoup de dégâts dans le jeu. Pas beaucoup d'XP là hein. Et je fais pas si mal. Oh bah ça servait à rien ça. Oula, c'est quoi qui me fait mal? J'ai même pas vu. J'ai pris très cher. Du coup ça va être chaud de contourner tout ça pour aller ne pas mourir. Augmenter un peu les mines, ça me débloquera peut-être des petits passages. Oh, je suis allée dans le cœur de la bataille, j'aurais pas dû. Oui, vas-y, l'hélico, vas-y, l'hélico, vas-y. Les trucs d'hélico. Vas-y. Est-ce que je peux prendre l'XP avant de... Voilà. Je ne fais que passer. Je vais tellement décéder. Tu veux pas me heal, bro? No. Bon, le dernier level de ça. Frénésie meurtrière. Tant pis. Bon, on a débloqué la Huntress. Try again. Nope. On va faire back to the menu. Et on va upgrade des trucs. Voilà. Le XP c'était relou. Ok, très bien. J'ai arrêté la VOD ici, c'était une petite découverte assez courte, mais là on va devoir passer sur autre chose. Des bisous à la VOD, c'était la découverte de Yet Another Zombie Survivors. Encore un Survivors, mais avec des zombies. Bisous!